Ça part! Bonjour tout le monde pour un super live cuisine! On va faire une magnifique recette de cuisine pour Noël. Bien sûr, une spécialité canadienne, parce que sinon c'est pas drôle. Et en même temps, nous allons parler catch. Dites-nous ce qu'on va préparer ce soir. Oui, donc comme vous voyez en bas de l'écran, donc on va faire un pâté chinois aujourd'hui. Donc la première fois, on avait fait une poutine. Oui. Donc on vous avait appris comment faire cuire des patates. Aujourd'hui, on va recuire des patates. Exactement, mais on les a déjà fait cuire. Donc pour ceux qui ne sont pas capables de faire cuire des patates, vous pouvez retourner à notre premier live disponible sur YouTube. Pour faire le pâté chinois, donc comme on a dit, ça prend des patates. Donc il y a des patates qu'on va piler. Oui. Non, piler, on va écraser en fait, hein, c'est faire une purée. Exactement, une purée de pommes de terre. Ça prend un magnifique oignon, ça prend du maïs et ça prend du bœuf haché. Et bois de l'eau, fait quelque chose. Alors on a fait pré-cuire les patates parce que c'est le principe des patates. C'est que ça met toujours un temps infini à cuire. Exact. En vrai. Donc entre 25 et 30 minutes. Voilà. Alors quoi comme type de patate? Il y a des patates particulières? Ouais. Donc aujourd'hui, encore une fois, comme le premier live, on a repris les patates recettes. Donc c'est les patates les plus efficaces pour faire notre pâté chinois aujourd'hui. C'est quoi l'historique de ce plat? Il y a plusieurs théories un peu qui se clashent, on va dire. Ah oui, il y a un clash sur la théorie du pâté chinois? Oui, exact. Donc en fait, il y a une première version qui dirait qu'à l'époque, de la construction des chemins de fer au Canada qui était faite par des Chinois, en fait, le chemin de fer était construit par des ouvriers chinois. Ils faisaient venir des immigrés pour construire les chemins de fer canadiens. En fait, les Chinois étaient nourris par ce qu'on fait aujourd'hui, soit de la purée de pommes de terre, du maïs et du bœuf haché. La deuxième solution possible, c'est que ça viendrait plus des États-Unis avec le China Pie, donc c'est les mêmes ingrédients, mais ce sera encore une fois inventé pour les Asiatiques, ça a été appelé ainsi. Mais par contre, ça reste chose sûre, c'est un mets typiquement québécois, que peu importe, n'importe quel Québécois de n'importe quelle classe sociale en a déjà fait, en a déjà mangé, c'est vraiment le truc que tout le monde a déjà mangé. Donc, on a dit les pommes de terre qui ont été cuites, 30 minutes, trentaine de minutes. Ouais, donc on les a épluchées, coupées. Alors, pour qu'ils viennent ils ont été coupés en cubes. Alors, on verse Michel dedans. Donc, ça part. Ça part. Donc, donc les pommes de terre sont dans un contenant pour les piler. On récupère un presse-purée. Faut mettre le beurre. Donc, c'est 2 cuillères à soupe de beurre. Alors, c'est du beurre ou de la margarine, ça? Parce que qu'ici, vous êtes terrible avec la margarine. Oui, exact. Mais moi, je mets de la margarine. Je préfère la margarine, mais faut mettre du beurre. Donc, culture gastronomique proche de zéro, de la margarine. Bon, ça y est. Ça part. On peut nous écraser ça. Voilà. Après ça, on va rajouter un peu de lait. Et on dirait le match de Carmé, là. Une vraie bouillie. Donc on va enchaîner avec le lait, donc la bonne quantité, en passant pour les pommes de terre, c'est un 14 de pommes de terre que ça prend en cube. Et ensuite pour le lait, on parle de 200 ml, là. Et voilà, donc je vais l'incorporer lentement pendant que tu continues de faire tes crissettes. Donc là, on a fait la purée. Oui. Concrètement, c'est facile. Oui. Cuisson des patates. Oui. On les presse. Et ensuite de ça, il faut réserver la purée, puis ça part. Donc on va mettre ça au frigo. Alors réserver, ça veut dire on la laisse reposer dans un lieu à température ambiante. Exact. Quand tu la mets au frigo, c'est comme tout ça. Donc, je pense qu'on va la mettre au frigo juste pour qu'elle se solidifie un petit peu plus. On a la viande hachée pour le pâté chinois. On parle de 0,5 kg. Donc c'est la même quantité qu'on avait pris pour la poutine l'autre fois, même principe. Du frais, hein, toujours pareil. Toujours pareil. Et un magnifique oignon. Alors en quantité, par contre, je viens de le couper l'oignon. Oui, mais je pense qu'on va simplement mettre un quart ou une moitié. Alors là c'est tout le monde va scruter si je pleure. Ben moi j'espère que tu vas pleurer, c'est pour ça que je laisse. Je crois qu'il y a une technique en mode. Oui, il y a une technique, mais on va voir si tu la maîtrises de base, justement. C'est ça la question. Non, il n'y a pas une technique où il ne faut pas la faire normalement, il ne faut pas les mettre dans l'eau chaude. Ben écoute, fais la technique que tu veux, on va voir si ça marche ou non, puis si les deux on pleure, ça va être magnifique. Non, mais attends, arrête-moi. Attends. Bon, dans le chat, est-ce que vous voulez ou non que j'aide Monkey à couper l'oignon? Telle est la question. Non, donnez-moi vos techniques surtout dans le chat. Arrête. Bon. Mais je vais tester dans le chat, puis... Ah, ben voilà, non. Mais... Oui. Ah, il y a quelqu'un qui a mis oui. Il y a quelqu'un qui a mis oui. Non, mais bon. Mathias, on te voit, il met non. Bon, ben je pense que c'est clair, mais merci dans le chat. Donc,
Suspense. Est-ce que les deux, on va se mettre à pleurer? Non, mais il y a une vraie technique en vrai pour pas pleurer? Mais selon Bobby Roode, tu tires la langue en même temps et tu vas pas pleurer. Non, il se fout de ma gueule. Ça, je sais qu'il se fout de ma gueule. Merci. Merci de l'aide. Non, mais par contre, l'eau chaude, je crois que c'est une vraie technique. Ok, ok. Ben écoute, tu vois, on va l'essayer. Donc, il me faut un bol. Il te faut un bol? Ben pour l'eau chaude. Ah, tu crois qu'on le mouille juste à l'eau chaude? Non, non, mais justement, je te pose la question, c'est quoi tu veux? Je sais pas, un bol, oui, un bol d'eau chaude. Tu me regardes, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça la technique. Donc là, l'oignon était passé à l'eau chaude. On enlève la queue, si j'ose dire. Ah, ça marche absolument pas. C'est une catastrophe. Bon, ok, fait que là, vous pouvez lancer les pronos. Dans combien de temps Monkey va pleurer? Alors, et après j'ai une technique, je regarde pas. Ok, ok. Tiens, mets comme ça. Ok, ok, ok. Ok, une vraie technique de pro, en fait. T'as l'œil dans les yeux? Non, mais l'oignon, je sais pas si tu le sens, là, mais... Ne faites pas... Oh, putain, ah oui. C'est pire. Alors, ça suffit. Reste là. C'est quoi la technique alors pour pas pleurer? Pour pas pleurer? Ouais. Non, en fait, c'est qu'il faut couper l'oignon et non l'écraser avec le couteau. C'est que si, exemple, tu coupes en comme ça, ouais. Là, c'est sûr que tu vas pleurer parce que ça fait sortir les vapeurs puis les oignons. Mais il faut vraiment couper juste en achat comme ça ici. Et là, ça coupe. Là, normalement. Mais ben là, le mal, il est déjà fait. Là, tu l'as passé à l'eau chaude. Tu te l'es frotté dans les yeux. Et voilà, ben tire la langue, vas-y, on va voir ça. Non, je sais que ça marche pas. Ouais, arrêtez, je vois pas en quoi ça limiterait le truc. Ok, voilà, donc les oignons sont coupés. Ah ben ça, les oignons sont coupés, oui. Bon, donc on met les oignons sur la magnifique poêle. Et on peut préparer la viande, en attendant. Encore une fois, comme la dernière fois, on va assaisonner notre viande avec le mélange épices, beef steak, sel, poivre, oregano et d'autres conneries du genre. Antoine a bientôt les mêmes bras que The Rock. Donc c'est quoi l'orgue d'un pâté chinois? Donc comme vous voyez sur la photo, vous avez la viande, ensuite le maïs et la purée de pommes de terre. Alors on va parler du maïs après, c'est pas très commun ce type de maïs. Donc on commence par le steak, qui est justement la viande hachée en fait. Donc c'est important de faire des belles étages hein, les amis. Donc c'est du maïs, comme le maïs traditionnel que vous connaissez, mais c'est du maïs en crème. Donc c'est du maïs qui est plus juteux, qui est un peu en mode purée. Okay, on va voir ce que ça donne. Oui, c'est vrai, c'est que ça ressemble à du beau huile de maïs, oui. Il a du citron dedans, non, Didou, il n'y a pas de jus de citron dans notre produit aujourd'hui. Parfait, et là, c'est quoi qui manque? La purée. Parfait. Ouh! Que nous avons réservée. Bien sûr. Au frigo. Donc encore une fois, c'est important d'en mettre partout. Oui, toujours, c'est important d'en mettre partout. Ça y est. Ça y est. Pas de problème. Donc, on rajoute du poivre, du persil, pardon. Du persil. Donc, et voilà. C'est bon le persil, tu peux y aller, hein. Parfait. Merci. Voilà, ça t'as le droit. Merci. Pas trop quand même. Alors, ça va dire. Ouais, mais quand même. On fait paprika. Je vais aussi poivrer la chose. Donc, le pâté chinois, vous l'avez juste ici. Donc, et on voit clairement les étages dans ce beau bol Pyrex, encore une fois. Et donc là, on va le mettre au four qu'on a préchauffé d'avance, soit à 190 Celsius. La cuisson! Ah, parfait. Wouh! Ah oui, ça... Wow! Ça part! Donc le pâté chinois, mission réussie. Attends, on va goûter parce que c'est peut-être dégueulasse. Alors, tu veux pas goûter, tu attends, c'est moi le premier à...